Bonjour à tous. Alors effectivement, merci beaucoup de m'accueillir dans votre établissement. Je suis très flatté. J'ai eu Monsieur Bernard Villiot au téléphone hier parce que c'est lui qui a écrit l'histoire de Mephisto. Donc je l'ai prévenu que j'allais venir, que ça allait être filmé. Donc ce qu'on va vivre ensemble, il pourra le vivre par la vidéo, en tout cas quand ce sera terminé. Voilà, donc il est très, très flatté aussi, comme moi, d'être invité et que vous ayez pu choisir cet album qui est Mephisto. Voilà. Donc moi, je suis l'illustrateur, c'est-à-dire que je me suis occupé des dessins, parce que Bernard, il est un très bon écrivain, mais il est nul en dessin. Ah oui. Alors, quand on m'a proposé d'illustrer son histoire, évidemment, elle m'a beaucoup plu. Alors, j'ai été d'accord pour faire ces dessins en noir et blanc, en particulier, vu que l'histoire du noir et du blanc est très présente dans cette histoire. Moi, je travaille depuis longtemps en noir et blanc, et donc la maison d'édition a tout de suite pensé à moi pour illustrer le texte de Bernard. Donc, si vous avez des questions, nous allons peut-être passer un petit moment. Je vais répondre, évidemment. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de moi. Et on va pouvoir discuter un petit peu autour de l'album. Et je suis très impatient de découvrir ce que vous avez imaginé pour l'histoire, pour la suite de l'histoire. Et ensuite, ça vous le savez, je vais lire l'histoire, la fin, la vraie fin, parce que je crois que vous attendez depuis très longtemps. Donc je vous remercie d'avoir été patient. C'est malheureusement pour des raisons de Covid que nous avons dû reporter cette rencontre. Mais voilà, je suis là, vous êtes là, on est tous là, c'est super. Moi, je suis très content. Alors, qui veut poser une première question? Comment vous avez écrit? Comment ça s'est passé? C'est ça la question? Comment il a dessiné? Comment il a écrit? Comment est-ce qu'il travaille? Alors, mon métier d'illustrateur commence toujours par l'écriture du texte. Là, j'ai eu la proposition du texte de Bernard Villiot, qui a écrit cette histoire. Moi, je la lis. Si elle me plaît, je dis oui, pour faire les dessins. Si elle ne m'avait pas plu, j'avais le droit de dire non, et de dire, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse les dessins, tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai le texte, bien sûr, je vais commencer par faire des dessins au crayon à papier. Je vais les proposer à Bernard, donc à l'auteur. Et ensuite, on discute s'il est d'accord, s'il aime, s'il n'aime pas. On peut avoir un dialogue comme ça. Alors, est-ce que vous dessinez depuis que vous êtes tout petit? Oui. J'ai toujours aimé ça. Je suis allé évidemment à l'école, comme la plupart des enfants, je suis allé au collège. Par contre, je ne suis pas allé au lycée. Comme je savais le métier que je voulais faire, je suis allé dans une école professionnelle de dessin. Et évidemment, toute la journée, on dessine. Hein. On apprend plein de choses, plein de façons de dessiner, que ce soit la peinture, les pastels, l'encre. Et j'ai passé 5 ans dans une école de dessin pour pouvoir faire mon métier. Quand je suis sorti de l'école, j'ai enfin pu commencer à rencontrer des éditeurs et aussi à écrire mes propres histoires. Je devais avoir 9 ans quand j'ai commencé à avoir cette idée. Comment avez-vous commencé votre métier? Alors, mon métier professionnellement, je l'ai commencé à 27 ans. Donc c'est assez tard, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les écoles de dessin. J'ai fait ce qu'on appelait le service militaire, ça n'existe plus. Mais mon premier livre, j'avais 27 ans. Aujourd'hui, j'en ai 49, ça fait 22 ans que je travaille. Comment trouvez-vous les idées pour écrire les livres? Alors, c'est une question difficile. Puisque l'inspiration, les idées, elles peuvent venir en écoutant de la musique, en se promenant, en regardant des paysages, en regardant des films, en lisant d'autres livres. Ce que je peux dire, c'est que quand je réfléchis à une histoire, la première chose à laquelle je pense, c'est où va se passer l'histoire, dans quel lieu.
Est-ce qu'elle va se passer sous l'océan, dans la forêt, dans le désert, dans la montagne, dans l'espace? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la première chose à laquelle je réfléchis, c'est le lieu. Et ensuite, je vais faire la liste des personnages qui vivent dans ce lieu. Et après, je vais inventer une histoire. Je vais essayer de leur faire vivre quelque chose. Quand j'étais enfant, je jouais beaucoup, moi, avec des jouets. Et je choisissais mes personnages. Et ensuite, je leur créais des histoires. Aujourd'hui, je fais la même chose, plus avec des jouets, mais avec le dessin. Donc, c'est comme ça que je crée les histoires. L'inspiration, ça n'est pas, c'est pas magique. C'est quand même du travail. Quand Bernard a écrit ce livre ? Quand est-ce qu'il l'a écrit ? C'est une question piège. Je n'ai plus la date de ce livre, mais je crois que c'est en 2018. Il a écrit cette histoire. Et ensuite, il l'a proposé à un éditeur qui, lui, me l'a proposé. C'est un livre qui doit avoir 2 ou 3 ans. Merci. Je vous en prie. Fut un temps, je ne sortais que la nuit, à l'heure où les parents couchaient leurs petits. On m'évitait pour conjurer le mauvais sort. Je portais, paraît-il, la poisse, la guigne et je ne sais quoi encore. Personne ne voulait croiser mon chemin, car sous ma robe se cachait, disait-on, le diable, le malin. J'étais un chat maudit, un chat tout noir, noir comme la nuit, noir comme la suie, noir comme l'ennui. Alors on m'affubla le triste nom de Méphisto. J'aurais aimé un nom plus doux. Un nom de bon matou, comme ceux que l'on caresse au coin du feu. Le soir, sur ses genoux, mais dans l'esprit des hommes, je ne valais rien. J'étais un chapardeur, un bon à rien. Si je traînais la nuit pour déborder ici et là un bout de gras, c'est parce que, dans ma vie de chat, il faisait froid. Si je donnais des coups de griffe, c'est parce que on m'avait rendu craintif. Un peu d'amour m'aurait suffi pour me caresser, pour me laisser apprivoiser. Je n'avais ni maître, ni logis, juste les toits pour me servir d'abri. Je n'avais ni douceur, ni gâterie, juste les rats et les souris pour apaiser mon appétit. J'étais libre, me direz-vous, mais à quoi ? Bon, quand on ne veut pas de vous, alors une nuit, j'ai fui la ville, les hommes et leur stupidité. J'ai fui leur cri, leur cruauté. Personne ne s'en est inquiété, personne ne m'a cherché. J'ai marché 6 jours entiers sans à peine m'arrêter pour chercher un endroit plus agréable et plus plaisant où l'on ne me lancerait pas des pierres et des injures, où qu'on ne ferait pas de ma couleur, de mon allure, à l'heure où le soleil décline, guidé par des clarines. J'ai gravi le sentier escarpé d'une colline. J'espérais trouver là l'endroit rêvé pour m'installer unique, félin parmi la race bovine. Mais j'ai dû renoncer beauté par les aiguilles des buissons d'aubépine. Il voit un grand jardin avec des fleurs de toutes les couleurs. Au milieu du jardin, il y a une maison. Une femme ouvre la porte et 10 chats noirs sortent jouer dans le jardin avec les papillons. Méphisto,
avance lentement et prudemment vers la maison. Les 10 chats entourent Mephisto pour l'accueillir. Ils le sentent car ils ne le connaissent pas. La gentille sorcière ouvre la fenêtre, voit Mephisto seul. Entre tous ses chats, Mephisto, effrayé par la sorcière, se cache dans la poubelle. La sorcière s'approche, prend le chat par le cou, le caresse et lui dit « Oh, comme tu es mignon, tu es un gentil matou. Calme-toi, tu as faim. » Mephisto la regarde et dit « Miaou ». La sorcière comprend la langue des chats et lui ramène un bol de lait. Mephisto est surpris et très heureux. Les 10 chats noirs l'accompagnent sur le lit et se mettent autour de Mephisto. Maintenant, Mephisto a trouvé une maison et une famille pour toute sa vie. Il a trouvé la vie. Le storyboard, en fait, l'histoire. De leur histoire, d'accord. De leur travail. Ben, merci beaucoup. Merci. Je le prends. Formidable. Donc là, je vais pouvoir voir les dessins. Ils ont fait les illustrations aussi. C'est vous qui avez fait les illustrations. Donc vous avez fait mon métier. Hein. C'était dur ? Non. Ça va. Ça va pour cette fois ? Ah, vous avez récupéré quelques chats de. Du travail. Ouais, bah c'est chouette. Vous avez fait des chats différents. Ça, c'est une bonne idée d'avoir fait plusieurs espèces de chats parce qu'ils n'ont pas tous la même tête. Vous avez travaillé, alors pas à l'encre là, vous avez travaillé au crayon de couleur et feutre, c'est ça? Qui c'est qui a dessiné la maison? Je vais laisser le temps de répondre. Oui, pardon. Excusez-moi. Qui a fait la maison? C'est quelqu'un qui n'est pas là. D'accord. Ça doit être difficile. Hein. Combien de temps avez-vous travaillé? Combien d'heures? C'est une bonne question, je ne sais pas. C'est plusieurs séances. C'est pas une fois. Plusieurs fois. D'accord. Merci, merci beaucoup en tout cas. Si vous êtes d'accord, je vais lire la version de Bernard, la vraie histoire. Vous êtes d'accord? Oui. Alors on y va. Quelque chose qu'on ne voit pas souvent, un livre, il a été écrit en français, mais parfois le livre voyage. Je vous ai amené trois versions de Mephisto. Ça, c'est une version... danoise, donc d'un pays qui s'appelle le Danemark, d'accord. Ça, c'est une version allemande. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Ils ont changé la couverture, vous avez vu? Ils ont choisi de prendre un autre dessin pour faire la couverture du livre. Et alors là, est-ce que vous savez dans quelle langue c'est? Par exemple, quelqu'un a une idée? Alsacien? Non, pas alsacien. C'est un pays qui est plus loin. La Croatie? Pas la Croatie, plus loin que la Croatie. C'est la Grèce. Ah ben voilà. Ben ça, il va y avoir des écritures un peu qui ressemblaient à ça. C'est les écritures grecques. D'accord? Bon, je ne vais pas vous lire en grec parce que je ne sais pas lire. Si j'ai bien compris, vous n'êtes jamais allé au-delà de cette page. Non, jamais. Celle d'après? Ah oui, d'après. Ça. Vous vous êtes arrêté à cette page-là. Oui. Je peux reprendre le texte là, à partir de là? Et puis un matin, je le trouvai enfin. Au détour d'un massif de chèvrefeuilles et de genévriers, ce bout de paradis si longtemps désiré. Une étendue de fleurs et de verdure, loin des hommes, du tumulte et des voitures.
Je fis de ce coin paisible le jardin de mon exil pour mener une vie tranquille. Ainsi, je pus miauler, chasser et gambader en toute liberté. Je folâtrais des jours entiers dans l'herbe parfumée des fossés et des fourrés. Je taquinais les papillons dans les talus tachetés de coquelicots. Et je fis même de délicieux festins d'un campagnol ou d'un mulot. D'affreux cabots me cherchèrent quelquefois querelle, mais rien qui vaille la cruauté des hommes. Juste de brèves échauffourées, la paix en somme. Seulement, le soir venu, je m'endormais sous les étoiles, hanté par les souvenirs du passé. Une ombre surgissait pour me chasser. À mon réveil, je m'activais pour oublier, pour effacer ces douloureux souvenirs de mes pensées. D'abord un toilettage pour lisser mon pelage, puis quelques étirements pour rester alerte et fringant. Les semaines et les mois durant, j'aurais appris à vivre sans crainte ni tourment. Il y eut bien des soirs de tempête et d'orage, où le tonnerre et les éclairs firent rage. Mais rien de vraiment terrifiant. Je vécus ainsi, à l'écart des hommes, le temps d'un été, le temps d'un automne. Mais quand le vent de l'hiver me glaça le bout du nez, je regrettais les toits et les greniers chauffés par les conduits de cheminée. Dans mon exil, je restais malgré moi un chat des villes. Alors je rentrais à pas feutrés, le poil couvert de givre. Qui se méfierait d'un funeste chat noir à présent devenu blanc? Au détour d'une rue, quelqu'un pourtant me reconnut. « Méphisto !» s'écria-t-il. « Méphisto est revenu !» D'autres me virent et se pressèrent vers moi. Méfiant, je sortis de nouveau les griffes et montrai les dents. Mais ce jour-là, personne ne me chassa. On me couvrit de caresses et de compliments. Les hommes avaient-ils à ce point changé l'espace d'un été? Leur gentillesse et leurs caresses cachaient une vraie détresse. Depuis que j'étais parti, les rats et les souris proliféraient dans leur logis. Et leurs gros matous bien nourris se moquaient de leurs soucis. Je n'étais plus maudit, j'étais béni. On me pria, on m'implora. On me promit monts et merveilles pour mettre en fuite les souris et les rats. Ce que je fis dans l'heure qui suivit. Je guettais, fouinais, furetais et courus sans arrêt. La cave d'une maison, à peine débarrassée de ses intrus, je filai au grenier déloger d'autres individus. Et en moins de temps qu'il ne fallut pour le dire, je rendis à tous ces braves gens leur sourire. Héros du jour, je me vis proposer 1000 faveurs en retour. Mais je refusais tout privilège. Pourquoi, me direz-vous? Pour conserver ma liberté, pardi. Aujourd'hui, je miaule et ronronne à ma guise. Mais qu'il n'y ait aucune méprise, ne croyez pas que je sois devenu un de ces gros matous tout mous, un de ces chats délicats qui colonisent les coussins et les sofas. Je n'ai ni maître ni château, je resterai toujours celui que l'on surnomme Méphisto. Merci. Alors, vous pourrez découvrir les images, vous pourrez découvrir les nouvelles illustrations. Vous ne les avez jamais vues, celles-ci. Donc vous pourrez, tranquillement, parce que là vous étiez un peu loin, mais vous pourrez regarder de plus près les images où on voit le Méphisto qui se remet à chasser, les souris et les rats. Et surtout cette image très rigolote où on voit les gros matous, les chats qui sont devenus tout énormes parce qu'ils ne font plus la chasse. Ils restent sur le canapé, ils regardent la télé et ils mangent. Ça, c'est pas bon, hein. Et donc, Méphisto, quand il revient, en réalité, les gens espéraient son retour puisque lui est un vrai chasseur. Voilà. Donc, c'est une histoire, c'est une suite différente de votre invention. Mais moi, je vais la relire, votre invention. C'est ça, un livre, on fait des choix, on commence dans une direction, et puis on peut avoir deux idées différentes. Et puis finalement, vous êtes parti dans une direction où le chat est accueilli aussi par une dame, une sorcière, qui a d'autres chats. Donc finalement, il a une belle vie.
Là, l'histoire se termine bien également. Simplement, il revient d'où il est parti. Vous prendrez le temps de regarder tout ça, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Alors, un autre cadeau. Alors, je veux. Moi, je veux un autre cadeau. En fait, on nous a trouvé un nom signe, un nom en langue des signes, et c'est celui-là. Celui-là ? Non. Et c'est ça. Ça représente quoi ? C'est le G. Ah, c'est le G ? En fait, c'est le G de votre prénom, le G, et vos lunettes. Donc, c'est la forme de vos lunettes avec la lettre G. Alors, attends. Merci beaucoup. Merci. Je m'en rappelle. Hein. Madame Singer, c'est Coty me charge de vous remercier vraiment du plaisir et de l'honneur que vous nous faites et surtout que vous faites aux enfants. Nous remercions évidemment le livre à Metz, sans qui cette rencontre n'aurait pas pu se produire. Et puis tous les professionnels et les enfants qui ont fait des choses merveilleuses. Merci à vous tous. C'est moi qui vous remercie, je suis très touché. Hein. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous savez déjà le métier que vous aimeriez faire ? Pas encore ? Oui. Oui ? Je veux travailler avec les enfants. D'accord. Et moi pareil. Toi aussi ? C'est le livre de l'Institut, hein ? Oui, j'aimerais bien. Avec le nom des enfants ? Oui. C'est en Italie, hein, non ? Non, il y en a en France aussi, des mécaniciens. Ah, en Belgique. L'Allemagne aussi. Alors, Lauricia. Attendre un petit peu que ça sèche. Un petit peu. C'est de la peinture. Quel est ton prénom ? Mike. Mike. M-I-K-E. D'accord. Et quel est ton prénom ? Ryan. Ryan, ok. Et toi ? Gabriel. Avec deux L ? D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous avez pris du plaisir à travailler. C'était un peu difficile, mais grâce à nos échanges en langue des signes, finalement, ça s'est révélé un exercice plutôt simple. Vous voulez sur fond noir ou sur fond blanc ? Oh, peu importe. D'accord. Sur le fond sur lequel vous préférez travailler. Ouais, ouais, c'est pour changer. Vous avez le droit de parler. Hein. Je me sens un peu... observé. Je me sens un petit peu observé, là.